咋样啊？跟老外那个啥？啥呀？男人不都那德行吗？Elles viennent dans le but de travailler comme nounou pour des riches chinois du sud et se retrouvent un petit peu, j'allais dire, contraintes et forcées. Justement, c'est assez ambigu parce qu'elles ont toujours leur libre arbitre. Elles ne sont pas sous la coupe d'un réseau ou quoi aux caisses et elles vont consentir à se prostituer étant donné qu'il faut bien trouver une solution pour vivre là-bas et envoyer des sous au pays. C'est un petit peu un incontournable dans un film qui présente la destinée d'une femme qui va se prostituer, ben, des séquences de prostitution, bon, on ne peut pas non plus y couper. Mais maintenant, on n'avait pas envie que ça devienne, qu'on soit dans le sensationnel, dans le voyeurisme. On avait juste, c'est vrai, envie d'être plutôt dans les conséquences que tout cela a sur elle, a sur sa vie intérieure, sur son rapport aux autres. Le fait que ce soit des femmes qui s'accrochent à leurs rêves et qui, dans ce cadre-là, consentent à passer le cap de la prostitution, toutes ces questions autour du sacrifice qui m'intéressaient. 新来的丽娜，大家好，你好，你好，咱们住这儿的是干点啥的？La Chine, ça, évidemment, tout le monde le sait, change à une vitesse incroyable. Et même au Dongbei, il y a peut-être un peu plus de retard par rapport à des zones comme Shanghai, Beijing, des grandes villes et tout ça. Mais là aussi, je veux dire, tout change très vite. Et sentant le monde changer autour d'eux, ils se disent ben, il faut qu'on prenne le train de cette modernité, il faut qu'on se lance dans des business, etc. Et donc, cette possibilité de boulot à Paris, bien rémunératrice, soi-disant, c'est un peu ce qui va leur permettre de vite monter un petit pécule, revenir et se lancer dans le business, changer de classe, monter de classe en fait. Ce qui importe à Alina, c'est plus son image et l'image qu'on peut avoir d'elle en Chine, plutôt que ce qu'elle peut endurer au présent. Elle, à ce moment-là, elle a décidé qu'elle allait pouvoir tenir. Et donc, que ce sacrifice, elle savait pourquoi elle le faisait, et donc elle le tient, quoi. Les filles-là ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.